So yeah, you were asking about what I thought about the expo, and yeah, it's a lovely group of people and a fine set of trees. So I'm happy to be here and to work with people and to, you know, bonsai is many people's pastime. It's their pleasure. It's their hobby. So it's really nice to see a group of people coming together and enjoying their hobbies together. It's a chance to meet people and to share a passion. So yeah, it's quite nice. The front of that was open. Yeah. Can I spin it? Yeah, you can. Is a reductive art, right? We let the tree grow and bring put on mass. Yeah. And then all we do is we remove mass. We remove branches, we remove leaves, we remove old needles, we remove shoots, right? It's always a reductive art. So if you're starting with material that is thin, how much can you remove, you know? And once you get to a point, have you removed too much? Right, but in this sense, with this tree, because there's some character, there's some movement, there's some branching, that I think. And you have leaves. You have leaves. You have material. Yeah. I think that, you know, if you guys will allow me, I'll use some raffia. Yep. And start to really bend, put some bends into these shoulders here, right? Because these branch pads, once you get out here, that's cool. But if we don't bend that, then there's not much that we can push the tree beyond what it already is, right? Mm-hmm. Giving it time to grow, you can, you know, thicken up and make it dance and make it feel old. But if we don't touch this tree for 10 years, that's not going to change the fundamental style and shape of the tree. Exactly. It'll be a bigger version of what it is now. Yeah, exactly. So to start to change things, we have to do some moves in the shoulders. So yeah, I think we can play around with that. And I think the Bunjin makes most sense. Yeah. I think so. But you have a free card, you can do I guess a little. Yeah. It'll be interesting to see if we can start to put some dynamic shifts in the shoulders. Mm-hmm. How do we play around with this? With this vertical gin, and then that juxtaposition of some branches that go down. You know, maybe that's an interesting play where the old gin is like this, and the live branches are pushed down. You know, like something happened that caused this to die and those branches to come down at the same time. Right, some catastrophic event. Because it's an old material as a bonsai, it's already been made into a form. J'ai discuté pas à pas sur comment je réfléchis cet arbre et comment on va le faire développer. Et comme c'est un arbre qui a déjà été mis en forme, on va y aller progressivement. And as such, we're going to try to figure out, you know, is it? It has some thickness here, but you can see it's a juniper, but there's no, like, you know, alive maybe. It's very, almost looking like it's still alive, right? There's just these small strips of bed. Only a little bit. So, c'est un genévrier avec une base solide, c'est épaisse. Et vous voyez, contrairement à beaucoup de genévriers qu'on peut voir, on a une grosse séparation entre la veine vivante et le bois mort. Ici, fondamentalement, au démarrage, tout est encore très vivant. You can see on many of the branches in here where it's split since it's first time. There's like deadwood, there's a cut, most of them. Vous voyez, si vous regardez de près sur ces branches, il y a un peu de bois mort au niveau de l'embranchement. Elles ont déjà été craquées une première fois. So we can run along the same lines of the side baby. Sur la même ligne que la veine vivante. Alors, trois et ça, vous avez déjà fait une première fois. Continue. La ligne, ça avait été croqué. Je reprends la question. On a une question à propos de ces deux branches-là qui sont
non alternés. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, those two branches we have here are really like aligned, right? It's not alternative. Like we see many bonsai design. Yeah. When we are thinking about redeveloping a tree like that, would we ultimately go forward cutting one of those two branches? You know, I thought about. J'y ai pensé. All right, so if you look from this side, si vous regardez dans cette direction, then it looks very similar to like a bar branch. Donc là, on dirait qu'il y a vraiment un synthé. Yeah. But if you look from over on this side, because you can't see this, it's coming from the back. Donc là, on ne voit pas à l'arrière, on prépare l'autre branche. So then, which one do we cut off? If we cut one off, which one? Donc si on en coupe une, on coupe laquelle? Right. We cut this off and it's gone. On coupe là et puis c'est fini. This is already gone. Ça c'est déjà mort. So do we cut this one off? Donc qu'est-ce qu'on enlève? Ce qui est derrière? On verra. Ce qui est important de voir ici, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Donc, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de descendre cette branche. Yeah, and then my senior once, when I was a student, I was watching my one of my seniors do some work, and he was just cutting off branches. Quand j'étais étudiant apprenti au Japon, je voyais mes aînés travailler sur des arbres et qui allaient en coupant des branches. And I said, what are you doing? Et il disait, attends, il leur dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu coupes toutes ces branches? His response was, if it's a difficult branch, cut it off. Et la réponse a été, si c'est une branche qui est difficile, juste coupe-la. So, for this tree, right, if it's a difficult branch, very much cut, 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 cut. Donc avec cette arbre, si comme les branches sont difficiles, on pourrait dire bah on coupe tout, mais bon, il y a la okay. So this is raffia. Donc ça c'est du raffia. Comes from a palm tree. Des palmiers. And what we do is we can use raffia to wrap around the branch. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le raffia pour entourer les branches. To compress the branch. Pour compresser la branche. So that if we try to bend it. Pour que, au moment où on va plier la branche, la branche casse pas. D'où l'importance d'utiliser du raffia, parce que si vous essayez tel quel de plier cette branche, elle va claquer en deux immédiatement. Sometimes I think I need like bifocals because I'm like working out. Like... Parfois j'ai l'impression que j'ai des lunettes parce que je suis toujours en train de. I'm not as young as I look. I'm not as young as I look. Il n'est pas si jeune que ce qu'il semble. On a eu grand plaisir à s'installer ici au Parc Floral de Paris avec Adam Jones qui est en démonstration juste derrière moi sur le genévrier de la collection du Parc Floral.
L'exposition est super. On est ravis de faire partie de cette quatrième édition. De Le Bonsaï Culture. Tous les participants sont hyper enthousiastes. C'est vraiment un plaisir de parler aux gens qui viennent ici pour faire du bonsaï. Nous, c'est vrai qu'on a le prisme japonais puisqu'on vit là-bas et on a une entreprise, on a un jardin de bonsaï à côté de Tokyo. Donc, c'est une première fois pour nous pour venir au Japon et pour venir en France et participer à cette exposition à Paris, en Europe. Et puis voilà, tous les exposants sont adorables. On a pas mal de discussions avec toutes les parties prenantes et les professionnels, les amateurs. On sent vraiment une dynamique qui est super positive, enrichissante. Ça fait plaisir de voir un tel engouement pour le bonsaï en France, en Europe, puisqu'on n'a pas que des Français qui sont là. Il y a des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Suisses. Ça fait vraiment un nexus autour de la culture japonaise et du bonsaï. Et on est ravis d'être là. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir invités. Agréablement surpris parce que pour moi c'est une première que je participe à Bonsaï Culture Expo. Je trouve que la salle se prête vraiment bien au niveau luminosité. L'autre point positif aussi c'est le fait de rassembler, c'est-à-dire qu'on a l'exposition, on a les démonstrations et on a les professionnels ou dans un même lieu. Du coup, ça crée une énergie positive et une ambiance qui me paraît vraiment essentielle dans le monde du bonsaï. Du coup, je reviendrai vraiment avec plaisir et je participerai à nouveau selon mon calendrier et mes disponibilités, mais ce sera vraiment avec plaisir que je reviendrai sur Paris
à participer à la Grande Agriculture Expo. Alors, je voulais dire que je trouvais que l'exposition est vraiment une très belle exposition. On a beaucoup de chance d'avoir une exposition de cette qualité en région parisienne. Et c'est vrai que pour nous autres exposants Banzaïka amateurs, c'est une chance de pouvoir exposer et dans ce cadre-là du parc floral qui est quand même un beau cadre et d'une qualité, l'exposition est une très grande qualité. Donc un grand merci à Banzaï Culture Expo. Et c'est vrai que là je vous présente mon arbre donc, qui est un Shojubai, un cognacier du Japon. Donc j'ai eu la chance d'exposer et j'ai même été primée, donc là c'était inespéré, mais bon, ça fait plaisir et ça donne envie effectivement de continuer et espérons qu'il y aura d'autres Banzaï Culture Expo, d'autres éditions, toujours dans ce cadre exceptionnel et un grand merci à toute l'équipe de Banzaï Culture Expo. Des événements qui progressent chaque année. On a une belle salle, de beaux arbres, une bonne ambiance, ça s'est très bien passé. Moi j'ai bien apprécié cette journée d'hier. Donc j'ai exposé deux arbres là celui-ci. Donc j'ai un arbre aussi qui a été primé, donc ça me donne une certaine satisfaction aussi d'avoir un arbre primé. Et donc ça fait plaisir de venir participer à cette organisation. Saludos a todos de parte de Ikigai Bonsai para Bonsai Culture y nada, deciros que, pues eso, que este año hemos visto que ha mejorado todavía más Bonsai Culture, que ha subido el nivel tanto de los árboles como de la exposición, del espacio en sí y nada, también mucha gente, mucho aficionado y nada, deciros que, pues eso, que os acerquéis a verlo y que disfrutéis del bonsai porque lo están haciendo genial la organización y nada, que estamos encantados de estar aquí y esperamos volver el año que viene. Une chouette exposition, le cadre est magnifique, les locaux sont très bien éclairés, donc pour vendre de la céramique c'est très bien. Voilà, il y a une belle fréquentation, c'est un bel événement autour du bonsaï, il est bien d'y participer, voilà. Donc je donne mes impressions sur le salon, c'est la première fois qu'on vient, franchement on a adoré le salon, l'exposition elle est magnifique, l'organisation elle est top aussi, voilà, on avait un stand vraiment bien placé, on t'en remercie. Et on compte venir l'année prochaine, voilà, si tu le permets. Une très très belle exposition cette année, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Franchement, rien à dire, il y a de tout. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout, comme des passionnés, donc c'est ça qui est vraiment chouette. Voilà, on m'appelle déjà. Après, très chargé, je pense. Il y a beaucoup de monde. Très beaucoup de monde. De beaux retours, non ? Oui, beaucoup de monde, très sympa. C'était très bien. Bonne ambiance. Il y a des jeunes. Il y a des femmes aussi. Cette année, il y a une belle exposition. Il y a des tablettes qui sont magnifiques, des arbres qui sont magnifiques. Donc moi, ça fait la deuxième année que j'expose. Donc pareil, avec les tablettes. Je me suis rendu compte que j'étais un petit peu seul à vendre de la tablette. Je pense qu'en région parisienne, on trouve de moins en moins de fabricants de tablettes. Et c'est vrai que bon, bah, pour l'exposition, donc moi, ça fait la deuxième année que je viens, on commence à connaître bien le monde et tout. Et à chaque fois, c'est toujours un plaisir de recevoir les gens avec qui on sympathise, comme là, JP qui fait de la taille et tout ça. Donc on rentre dans un système super sympa. Quoi. Voilà. Et bah, voilà. Banzaï Culture, c'est un rendez-vous incontournable. Tous les ans, c'est un grand plaisir pour moi de venir ici. Je rencontre des gens super, il y a une bonne ambiance et l'organisation, elle est au top. Donc, bienvenue à Paris pour le salon Expo Banzaï Culture cette année. Quatrième édition. Donc, il y a beaucoup de visiteurs cette année. Et voilà, c'est à vous de découvrir tout le salon.
Bonne journée. Eh ben, ça se passe super bien. Je pense que c'est la meilleure édition. Moi, c'est la quatrième fois que je viens. La première année avec la petite tonnelle dehors. Et aujourd'hui, on est dans un super pavillon. Ça circule bien. Moi, j'ai la chance d'avoir en plus un stand central. Donc, j'arrive à capter un peu tout le monde. Je montre les cours que je propose, plus des extraits. Donc, vraiment, il y a des gens qui découvrent. Il y a des gens qui me donnent des impressions, des idées. Et ça se passe super bien. Donc, merci Jean-Yves pour l'organisation. Et bien sûr, faites du montage. Alors, pour cette année, l'exposition est très, très bien. On sent une bonne émulation. L'endroit est bien aussi, c'est lumineux. Le passage est bien fluide. Nous, on est très contents, en tout cas, sur notre stand. Ça a très bien marché. Les gens sont contents. C'est familial. Il y a une bonne entente. C'est très positif. Donc, on espère que pour les autres années, on ira dans cette même logique. Mais en tout cas, on est vraiment très, très contents. On sent vraiment ce côté chaleureux, c'est peut-être l'environnement, la lumière, mais les gens sont, voilà, il y a une bonne motivation et on est content. Bueno, es nuestro segundo año que venimos a la exposición y bueno, hemos visto una mejora, el sitio es mucho mejor, tiene más iluminación, hay más visitantes y yo creo que han tomado una buena dirección de cara al futuro. O sea, yo estoy muy contento con ello. Este año es nuestro tercer año en la exposición Bonsai Culture. Cada año va mejorando y va creciendo. Y bueno, pues estamos muy contentos y esperamos que siga creciendo en próximos años. Content d'être là, il y a eu beaucoup de monde, les gens apprécient et je trouve l'exposition réussie. Voilà, il y a des beaux arbres en exposition et les visiteurs ont l'air contents. Cela fait la troisième fois que je participe. C'est beau, c'est super. La présentation des pavillons, elle est très bien. C'est aéré, on peut circuler. Voir les arbres correctement, les arbres exposés sont magnifiques. Donc bravo à cette manifestation qui est sur Paris, parce que sinon avant il n'y en avait jamais. Donc merci.